un signe à Daniel. Daniel. Pas compris. Ok. Oui, j'ai déjà tout fait. Ok, bras bêté. Yeah, I don't know.
fais quoi quand tu vois ici? Il vient. Les journalistes sont là, on a servi le premier. Il y a au moins trois personnes. Trois personnes. Oui, il peut monter. Qui a le laissé la déranger? Venez! Oui, ce dont je parlais de l'autre côté, là, ils sont arrivés de l'espoir de vie.
j'attendais juste un des médecins. Ok. Que j'ai sollicité la présence. Il avait sur la mer un patient, mais il a fini, il arrive. Ok. Au cadre. Non, non, non. Voilà, je te fais. Voilà. Allô, monsieur René. Ils ont un véhicule de Manico. Ok. Il y a votre logo sur la voiture. C'est le seul moyen qu'on va utiliser pour les faire entrer. Comme on ne les connaît pas, et eux ils connaissent pour tous les matériels. Et moi je ne suis pas disponible pour y être. Moi je suis un entretien comme ça, je ne sais pas. Non, allez-y, je vous écoute. Oui. C'est comme ça qu'on a rencontré dans le couloir. Oui, mais si je ne connais pas où se trouvent les planches, comment ça va, on va faire? Ok. Docteur, M. Timothée et notre collègue Jean Bobou. Comme annoncé, j'ai reçu ce courrier la fois dernière de la part de l'ONG Espoir de Vivre aux Unis. Et c'est M. Roger qui était arrivé pour le dépôt. Et j'ai lu que le contenu était très exaltant et je me suis dit waouh. Alors, pour faire la petite histoire, nous avons un partenariat de prise en charge médicale des patients avec la clinique Huguette. Donc la première patiente était une patiente de quoi. L'intervention a été faite ici et ça a bien réussi. C'est à cette occasion que j'ai connu le président fondateur de cette ONG, notre frère Joël Crasso. Joël Crasso. Alors, ils ont prévu de passer aujourd'hui nous saluer et je vais laisser encore beaucoup plus le soin à eux-mêmes de faire la présentation et de dire le motif de leur présence. Et bien avant ça, nous voulons vous souhaiter toute la bienvenue. Et c'est chez vous. Nous sommes ensemble pour la cause des personnes souffrantes. Et nous le faisons pour la gloire de Dieu. Donc, nous prions que ce moment soit béni par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et que tout ce que nous allons faire soit pour sa gloire. Amen. Bienvenue. Et donc, Pasteur Roger. Oui. Voilà. C'est vous le patron des élus pour rien. Alors, vous avez la parole. Merci beaucoup. Oui. Merci, mes chers. Je voudrais vraiment dire grand merci au personnel de l'hôpital des Alpes. Nous sommes très ravis et ce matin encore, nous sommes très contents d'être parmi vous. Effectivement, comme M. Antoine vient de le dire, il fut un temps que nous sommes venus ici. Parce qu'on avait un besoin et on a pensé que c'est l'hôpital Espérance des Alpes qui pouvait vraiment nous aider.
Effectivement, cela a été fait. Et ce matin, nous sommes accompagnés même par la dame en question. C'est notre maman, Souri Diallo. C'est elle qui a été opérée ici de Guatre. Ça a été une grande découverte pour nous. Et donc ce jour-là, le président fondateur de l'ONG Espoir de Vie Guinée avait dit qu'on devait revenir ici pour rencontrer la direction de l'hôpital et poser certains actes. C'est dans cette optique que nous avons fait parvenir ici une lettre pour dire qu'aujourd'hui, on viendrait en visite et rencontrer les autorités d'ici. Sans tarder, je vais passer la parole au président fondateur, puisqu'il est présent. Oui. Et il est le chef de la délégation. Il est celui-là qui a initié cette visite. Beaucoup le connaissent, beaucoup ne le connaissent pas. C'est M. Joël Canso, qui est le président fondateur de cette ONG Espoir de Vie. Ça fait un peu longtemps qu'il est avec nous ici à Zéro-Coru, dans le cadre de plusieurs activités. Mais ce matin, il vient rendre visite à l'hôpital Espérance des Arts. Je tenais à saluer encore tout le monde. Effectivement, je suis Joël Crasso. Je suis dans l'état civil, c'est Crasso Garo Joël Chalot. Alors, président fondateur de l'ONG Espoir de Vie. Fondation, d'abord en Côte d'Ivoire, où j'ai un orphelinat, où je m'occupe de veuves. Cette inspiration est basée sur les textes bibliques, Jacques 1, le verset 27. On dit une religion puissante tâche consiste à assister la veuve et l'orphelin dans leur affliction et à se préserver de celui du monde. Alors moi-même, je suis orphelin de père et de mère. Je suis issu d'une famille musulmane. J'ai été converti plus tard. Et ça n'engage que moi, ma conviction. Alors, quand j'ai expérimenté Jésus, la première des choses que Dieu m'a mis à cœur, c'était d'aider les veuves et les orphelins. Et donc, je dis au Seigneur, s'il me bénissait un jour, j'allais rentrer dans cette activité. Et j'ai béni le Seigneur, c'est ce qu'il a fait. Il m'a béni par sa grâce. J'ai pu monter, n'est-ce pas, un orphelinat en Côte d'Ivoire. Je suis aussi dans le domaine, je suis chef d'entreprise dans beaucoup de choses. Je suis dans l'événementiel, je suis dans la vente de voitures, etc. en Côte d'Ivoire. Je suis aussi dans la production musicale. Voilà, ici en Guinée, je suis en train d'installer mon entreprise. C'est ce qui fait que je peux durer. Parce que j'ai senti quand même le besoin de donner aussi de l'emploi aux frères guinéens. Donc ici en Guinée, nous sommes dans l'agro-business. La production du manioc et très bientôt nous allons faire l'usine d'Akeke à partir des Zéro-Corée. Nous allons aussi faire les plantations de piment et la tomate, la riziculture et une variété de riz où chaque 3 mois la région forestière aura du riz et on aura réglé le problème de faim. Voilà, on aura réglé le problème de faim parce que les gens ont tendance à avoir une variété de riz où c'est une fois dans l'année et ce qui provoque beaucoup de problèmes de faim. Donc c'est sur tous ces projets que nous sommes en train de travailler. Alors en tant que ONG, d'abord j'ai toujours dit une ONG c'est un don de soi. Dieu te donne une inspiration et quand Dieu donne une inspiration, il donne les moyens. Alors moi j'ai mis ma vie à la disposition des êtres humains. Parce que quand Dieu nous crée, c'est pour ça que nous soyons en utilité pour les uns et les autres. Alors je vis en France, depuis l'année dernière, Dieu m'a mis à cœur de faire une tournée africaine. Donc c'est parti de Burkina, le Burkina l'état de la Guinée. Mais j'ai été vraiment émerveillé par la Guinée parce que je me suis senti utile au pays. Je me dis, parce qu'au Burkina par exemple, il y a des choses, l'éducation, il y a des choses qui sont déjà faites là-bas. Alors en Guinée, j'ai vu que c'est un pays vierge, qui a aussi besoin de notre expertise. Parce qu'en Côte d'Ivoire, j'ai pu scolariser en 2 années 2800 élèves. Parce que le problème africain, c'est un problème éducationnel. Ce n'est pas un problème de pauvreté. C'est l'éducation, parce qu'on ne prépare pas les gens, les hommes d'élite. Et nous sommes en train de travailler là-dessus, avec toute ma structure. C'est pour ça qu'on voyage. Et on pousse les États africains à jeter un coup d'œil sur l'éducation.
Parce qu'un enfant mal éduqué d'ici 30 ans serait un braqueur, il serait un danger pour les pays. Et donc voici le but même de ma tournée. Donc j'ai des années sabbatiques où j'ai pris peut-être 3 ans, où j'ai sillonné pendant 3 ans. J'ai une année sabbatique où j'arrête certaines activités et je m'engage à apporter, n'est-ce pas, mettre ma vie à la disposition de personnes. Alors, je suis venu à Guinée. Voilà, il faut déjà dire que le pasteur Roger, celui qui est le directeur de tout le programme de la Guinée. Alors, lui et moi, on se connaît depuis 15 ans. Voilà, donc j'ai déjà visité votre commune là depuis 2006. Voilà, donc je connaissais déjà. Et je vais aller aussi au Sénégal quand il m'a mis à cœur de venir ici. Donc, je suis venu encore dans une période où il y avait une crise de Covid, l'épidémie Covid, plutôt Ebola. Parce que je suis arrivé en Guinée le 28 janvier, et surtout que j'étais parti au Sénégal. J'étais juste à côté, et on m'annonce l'épidémie. Donc, je vais prendre la route des Érythrées, on m'annonce l'épidémie à la télé. À la télé, et donc tout le monde voulait. Parce que je ne suis pas le seul dans cette association-là. Il faut dire qu'on est quand même quelques têtes. Voilà. Et notre vision même, c'est un peu ça, impliquer beaucoup d'Africains dans notre manière de voir les choses. Et surtout, c'est aussi basé sur le christianisme et la parole de Dieu. Voilà, donc les gens ont décidé que je passe sur le Sénégal. Et ça, c'est ce que les gens disent. Et moi, j'ai reçu une commission personnelle de Dieu d'y aller, de venir sur le Récoré. Alors donc j'ai pris la route le 14, je crois un 14, je suis rentré ici, je crois un 14, je suis rentré vers 18. Voilà, parce que j'ai fait 3 jours en route à cause de l'état de la voie et j'aime pas trop voyager la nuit. Alors quand je suis arrivé, ma première chose d'abord c'était de rencontrer des hommes religieux et leur partager ma vision. D'abord miser sur l'éducation, miser sur la paix, et parce que j'ai aussi avec ce problème religieux, interreligieux et tout ça. Et donc, je les ai rencontrés, la collective des pasteurs. Ils m'ont introduit chez le préfet. Après ça, le maire, on a essayé de discuter de certaines choses. J'ai rencontré la collectif aussi des musulmans. Et j'ai parlé avec eux la vision. Alors, j'ai eu à cœur de mettre les femmes, comme d'habitude, les femmes veuves ensemble. Parce que généralement, en Afrique, les femmes veuves, elles ne sont pas respectées. Et on méprise leurs droits. Et donc, j'ai pu les mettre ensemble. Tellement ma vision. La première rencontre s'est faite le 5 mars à l'hôtel Prince. Où le maire représentait le parrain, qui était le préfet. Alors donc on essaie de discuter. Et ce jour-là, je pense que j'aurais dormi 2 500 000 pour dire de s'organiser. Et que je voulais 100 femmes musulmanes et 100 femmes chrétiennes. Et c'est ce jour-là, je constate que je vois une dame qui a été recrutée parmi les femmes musulmanes et qui fait partie de l'association des femmes veuves musulmanes. Mais qu'elle voit que ça a attiré mon attention. Voilà, je regarde la dame et je regarde. Et moi, j'ai convaincu que cette femme est en train de mourir à petit feu. Et donc, je l'ai interpellée. J'interpelle la dame. Je cherche à rentrer en contact avec la responsable des femmes musulmanes veuves. Et je dis, il faut que je l'opère. C'est vrai que les gens ont acclamé, hein, mais ça n'a pas été facile après. Parce qu'après, les gens réfléchissent. Je suis qui? Je cherchais à savoir qui je suis. Il y a eu plein de choses, hein, que les gens disent. Ah, le monsieur vient, est-ce qu'il ne va pas sacrifier la dame? Parce que c'est nous, il a l'habitude qu'on a reçu après. C'est des petites choses qu'on a reçues après. Jusqu'à même, ils ont même frayé la femme. Parce que moi, après ça, je suis allé sur le taureau. Voilà, dans le cadre de mes activités. Après ça, je suis revenu. Et on était en pour parler. D'abord, on a tissé un partenariat avec Huguette. Par rapport à une histoire qui s'est présentée à nous. Il y avait une dame, une jeune fille, qui fait partie de l'église du pasteur. Et dont le mari était décédé pendant que la femme avait 3 mois de grossesse. Voilà, donc elle est abandonnée, voilà, livrée à elle-même, et quand elle a accouché, je l'ai récupérée. Et l'enfant m'importe mon nom, et c'est comme ça qu'on a affecté l'enfant. Un matin, on n'a aucune de ses nouvelles. Or, la femme, la jeune fille est en train de mourir, parce qu'elle a accouché sans soin. Sa belle-mère l'a chassée de la maison, et l'enfant était à 5 jours, donc je l'ai récupéré, et je l'ai affecté à la clinique Huguette. Voilà, pendant 5 jours, on fait des traitements, et elle, et tout ça. Dieu merci, jusqu'à aujourd'hui, l'enfant n'est plus jamais tombé malade. Donc j'ai pu récupérer l'enfant et tout ça. Alors c'est comme ça que j'ai dit, mais attends, nous allons créer un truc ici. Pourquoi ne pas tisser un partenariat avec Huguette? Voilà, parce que quand on dit développement, c'est d'abord la santé. Voilà, il faut y penser. Donc c'est comme ça qu'on a tissé le partenariat avec la clinique Huguette. Alors donc le besoin de cette femme se présentait. Alors donc on a appelé, on a même discuté. Elle-même m'a invité personnellement, parce que d'abord,
la collectif des femmes veuves chrétiennes m'ont invité. Il y avait Jiré, où je suis allé, j'ai expliqué ma vision. Apparemment, les femmes musulmanes m'ont expliqué, je suis allé. Parce que moi, je ne suis pas là pour un groupe religieux. Voilà, Dieu, c'est tout que j'ai ma conviction chrétienne, mais je suis venu travailler avec toutes les femmes veuves. Que ce soit surtout mettre une collectif de femmes veuves, et qu'on appelle la femme veuve de Zérékoré. Et leur donner une vision de travail et travailler la terre. Et aussi lancer cette vision de pouvoir sensibiliser les gens pour la paix, voilà, le vivre ensemble, et permettre à nos enfants, nos jeunes hommes, nos frères d'aller à l'école. Et c'est comme ça qu'on a rentré en contact là-dedans. J'ai rétrégué encore ma vision de pouvoir l'envoyer à l'hôpital. Mais ça n'a pas été facile, il faut aller. Mais de temps en temps, elle avait peur. Parce que ce qu'elle attendait l'effrayait. On dit non, elle va s'opérer parce que le coup, il y a trop de nerfs, ils vont certainement l'égorger, etc. Oh, le ventre aussi, il y a des nerfs, on arrive. Donc quand j'apprenais ça, moi je me barrais. Je lui disais, elle ne sait pas la chance qu'elle a. Parce qu'elle ne sait pas la chance qu'elle a quand Dieu me met à faire. Je lui ai dit, on ira jusqu'au bout parce que c'est la parole donnée. Et cette parole et cette condition ne m'a jamais trompé. Quand je suis convaincu, c'est que c'est Dieu qui m'a parlé. Voilà. Donc il faut qu'on mette fin à cette histoire. Parce que nous sommes là pour vous sauver. Je ne peux pas avoir dirigé, mettre une association de veuves en place et puis voir une femme qui est malade et mourir à petit feu sous mes yeux. Ce n'est même pas possible, imaginable pour moi. Alors on a dû prendre l'imam, voilà un imam, pour aller sensibiliser la dame. Parce qu'il fallait aussi la convaincre. Au départ, elle avait accepté, et puis après, elle a commencé à ne plus vouloir s'engager. Et donc, ça n'a pas été facile, je vous dis, ça n'a pas été facile. Nous, on avait quand même la possibilité de dire non, mais c'est notre argent qu'on avait dedans. Donc, si elle ne veut pas, ben, c'est elle qui n'a pas voulu. Voilà, sinon, nous, on pouvait dire, ben non, on a dit, mais elle ne voulait pas. Mais vous savez, quand vous décidez d'aider une personne, d'aller jusqu'au bout, à un moment donné, la conviction de cette personne de contribuer, c'est votre sacrifice. Et c'est ce que Christ a fait à la croix. Christ n'a pas tenu compte de nos comportements, notre manière de faire. Il a donné sa vie et point barre. Donc nous, c'était comment faire sortir cette femme de cette situation. Puisque moi, je la regardais, j'étais convaincu qu'elle n'allait pas vivre pendant un an. Parce que ce que je voyais là, au niveau de sa gorge, voilà, donc, après, elle a été convaincue. On a pu la convaincre. Ouais, donc, elle s'est engagée. Et moi, je ne savais pas qu'il y avait Zao. Franchement, je ne savais pas. Et c'est après, ils m'ont fait le point. Parce qu'il fallait donner un minimum d'argent qu'ils allaient gérer pour emmener ça ici pour l'opération de cette femme. Ça a été fait en deux jours. On attendait qu'on nous donne la somme. Et puis, paf, j'ai fait le transfert d'argent. Ils ont eu l'argent. Et moi, j'étais encore à Conakry. Voilà. Et donc, j'ai dit, pour l'opération, donc on est descendu. Voilà, elle devait aller à l'opération. Donc, je suis descendu. J'ai dit, il faut que je vive l'événement. Et parce que c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Je me suis mis dans la peau de son enfant. Je me suis dit, si c'était ma mère, je ferais quoi? Voilà, c'est ce qui m'animait. Je voyais une mère que je devais soutenir, arracher des griffes de la mort. Et donc j'ai dit, il faut qu'on rentre rapidement. C'est ce qu'on a fait. Et puis bon, ça s'est passé. On avait la date. Ça s'est passé. Pendant qu'on était là, on portait soin, on priait. Je ne savais pas. Et donc les gens ont commencé à me parler des arbres. Et cette résine, ben c'est quel hôpital que je maîtrise? On dit, c'est leur spécialité. Je dis, mais attends, c'est quelle coïncidence? Et là, j'ai compris que vraiment Dieu avait la main dans ce projet. Qu'il y avait un hôpital spécialisé dans ce domaine. Et moi, pour moi, si ce n'était pas Huguette, si j'étais Conakry, on attendait sur Conakry pour qu'on puisse l'opérer. Et je ne pouvais pas imaginer, n'est-ce pas, qu'on pourrait dire, mais attends, mais c'est un miracle. Il faut que moi, je vive l'événement. Je vais chercher à voir la clinique. Et puis, c'est une clinique chrétienne. C'est ma chose. C'est ma chose. Donc, je vais me rapprocher. On était en prière par la grâce de Dieu. Et qu'on a dit, elle est sortie du bloc. Et elle, ça va chez elle. On dit gloire à Dieu. Et on est venu rendre visite. Et je rentre. C'est là que je vous ai rencontré. Et ça a été vraiment un truc pathétique, moi. Ça m'a accroché. Et ça m'a parlé. Ça m'a vraiment parlé. Et j'ai même promis, j'ai dit, vous avez besoin d'être soutenu. Même si c'est un minimum de choses qu'on apporte. Mais je pense qu'il y a des gens comme ça ici. Selon ce que vous avez compté, on a compris qu'il y a des personnes d'ici qui viennent aussi ici. Elles n'ont pas de soutien. Donc, il fallait faire sortir cette dame d'ici. Il fallait aussi stabiliser certaines choses. Il fallait attendre au moins deux mois comme ça. Et donc, nous sommes de retour. Je vous dis désormais, nous serons de tout cœur avec vous. Moi, personnellement, avec toute cette délégation, surtout la fondation, l'ONG, nous allons vous soutenir tous les mois à hauteur de 1 million de francs. Ça, c'est ce que nous allons faire tous les mois. Nous allons vous apporter nos soutiens à 1 million de francs. C'est vrai, même si c'est peu, mais
Donc il faut que nous contribuions, qu'on vous aide dans cette œuvre d'évangélisation. C'est vraiment très important. Voilà. Nous avons ce matin une enveloppe effectivement d'un million. D'un million de francs. La deuxième chose, chaque deux semaines, essayez de nous amener une facture ou une ordonnance d'une personne qui est démunie, franchement démunie. Et si on peut l'aider, participer, nous allons participer. Donc voici encore la deuxième proposition. Voilà. Et encore ce matin, j'aimerais aussi prendre une facture en compte. Voilà, à hauteur de 500 000 francs d'une personne qui est malade ici. Si jamais elle a une facture à régler, qu'elle n'a pas d'argent, je vais remettre les 500 000 francs tout à l'heure. Donc c'est pour cela que nous sommes là. Et nous sommes venus vous dire merci. Merci pour ce que vous avez fait. C'est vrai, mais il y a eu quand même une bonne volonté de votre part de pouvoir faire sortir notre maman de ses difficultés. Pour nous, c'est une manière d'être trop reconnaissant parce qu'on voulait franchement qu'elle vive. On ne voulait pas la laisser mourir. Surtout, elle vit aujourd'hui. On a attendu. Toujours on l'appelle, ça va. L'opération s'est bien passée. Oui, c'est bien passé. Donc, on dit, OK. Ah, mais donc, Zao, c'est une bonne clinique. Il y a de quoi à venir et soutenir Zao. Donc, c'est un peu. Zao, c'est maintenant chez moi. Et nous serons constamment ici avec vous. Et nous allons vous soutenir. Voilà, nous allons vous soutenir, vous accompagner dans cette œuvre excellente. Et moi-même, j'en parle autour de moi de cette clinique. L'hôpital de Zao, parce que c'est quelque chose que mon entourage ne maîtrisait pas, qui a connu à partir de mes communications faites et dans mes réunions, mes meetings que je fais avec mes certains proches. En tout cas, merci. Et on ne cesserait de vous dire merci. Que le Seigneur continue d'opérer de grands miracles au travers de vos mains et que des personnes qui, à partir quand si les personnes sont affectées ici, qu'elles s'en sortent. Et que Dieu donne toute la sagesse, l'intelligence possible de pouvoir les guérir et les délivrer. Ok. Merci beaucoup. Voilà. Oui. Merci beaucoup. Merci. Alors, Madame Gomes, vous avez reçu à dire. Vraiment, je n'ai pas grand chose à dire. Réellement remercier l'ONG et les représentants ici, la présence, même les membres d'ici. Vraiment, merci beaucoup. Ça nous va droit au cœur. Parce que faire un acte, c'est très facile, mais la reconnaissance, quelquefois, est très difficile. Il y a plein de patients qui passent là, mais ça, là, ça nous marque à plus d'un titre. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci. Il y a un pasteur de mon église qui dit souvent cette expression. Il dit, quand on te fait du bien, tu te dépasses. Si à force de dire merci, merci, tu ne fais pas attention, tu vas dire pardonner. Oh, ce n'est pas la place. Franchement, votre acte, le soutien, la façon dont vous avez considéré l'acte, le traitement qui se fait ici, nous éblouit. Vraiment, merci beaucoup. Et je suis vraiment enchanté pour les autres projets que vous avez parlé. C'est ma découverte. C'est ma découverte. Parce que la faim, la difficulté de l'éducation dans ce pays, vous avez touché à des projets phares. Donc, nous sommes vraiment enchantés. Soyez-en remerciés vraiment. Nous sommes. Sans monopoliser la parole, je m'en vais laisser aux autres dire à tout le monde. D'accord, c'est bien, merci. Ok, merci beaucoup. Et les mots nous manquent. Pour l'événement de ce matin que nous voyons, nous pouvons que rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Merci à l'ONG
espoir de vie. Oui, vos actes pour vous réellement l'espoir de vie. Merci. Cette maman a été opérée le même jour que ma nièce. Et on a vu ce même jour des miracles. Parce que le volume de goitre de la maman, je ne me rappelle pas maintenant qu'est-ce que le docteur Aladino avait dit, si c'est 2-3 kilos. J'ai pris la photo, Non, d'ici sinon on a même la photo. Jusqu'à maintenant. Et le volume de la masse, c'est ma nièce aussi. Peut-être c'était dans les mêmes 3 kilos. Voilà, deux miracles qui étaient touchés pour ta vie à Libye. Et ce n'est que... Merci, ça. Ok, voilà. Monsieur. Voilà. C'est ça. Dieu qui avait été vraiment extrait par la main du Seigneur. C'est une vie avancée. Et ce n'est qu'une partie des miracles que le Seigneur opère ici. Alors voici comment il était. Voilà comment il était. Même pour baisser et sa tête, c'était impossible. Et ça l'étouffait. Oui, ça l'étouffait. Parce que quand le pasteur dit, je ne sais pas si elle allait faire un an, bon, ça c'est dans les mains du Seigneur, mais être étouffé par une telle masse, ça peut t'emporter d'un jour à l'autre. Ça ne s'est pas subitement. Donc Dieu l'a sauvé grâce à vos efforts, grâce à l'effort du personnel d'ici. Nous tous travaillons pour l'œuvre du Seigneur. C'est ce que nous traduisons dans un verset de la Bible, dans Colossiens 1, 29, qui dit ça. C'est cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Colossiens 1, 29. Vous et nous faisons le même travail. Comme la Bible dit, chaque membre son rôle. Le rôle des actes que vous jouez nous motive davantage à veiller, à nous appliquer davantage aussi. Merci infiniment. Et je pourrais interpeller tant de personnes, guinéennes et autres, que nous puissions copier ces actes. Au lieu de s'asseoir, dire qu'est-ce que l'État fait pour moi. Qu'est-ce que moi je fais pour les autres, pour l'autre. C'est ce que le pasteur nous montre aujourd'hui. Votre action va de loin. Et ça pourra des répercussions de loin. C'est parler dans les hameaux partout où vous ne connaissez même pas. Donc, de persévérer dans cet élan. Puis à mes frères guinéens qui avaient accepté d'accompagner le pasteur, d'implanter l'initiative, aider à ce que ça s'agrandisse. Notre problème ici, on commence bien, on aime les feux de paille. Ça va nous choquer, hein? Je m'excuse. On fait les feux de paille, quand ça commence à planter les pieds, les racines, c'est nous qui prenons du désert, une tronçonneuse, on découpe. Pardon. Je le dis devant lui, hein, parce que quand dès que vous allez commencer là, vous dites, le Père-Signor avait dit ça. Donc, pardon. Essayons d'encourager et d'entretenir jalousement cette œuvre. C'est ce que je vais ajouter comme recommandation pour nous tous. Quand ça monte aussi, le directeur va dire à vive voix, c'est notre mission. On est là pour ça. Et on est à votre entière disposition. Nous, toujours, on fera plus. Tant que le Seigneur nous édifie, nous fortifie, on fera plus. On a besoin de vos prières, de vos soutiens à tous égards. Et vraiment, merci pour ceux qui ont déjà accompagné
les patients, accompagner les centres avec une telle somme et aussi tracer des actions, des bonnes actions. Hein? Peut-être, comme moi, je n'ai pas duré ici d'abord, je n'ai que 10 ans ici, mais c'est ma primaire. Donc, que Dieu aide à pourvoir à ce que vous avez, à multiplier au centuple pour qu'il en ait encore de plus. Merci beaucoup. Merci. Nous pouvons te dire merci à Dieu parce que ce sont des signes d'obéissance à Dieu. Lorsqu'on a reçu un appel et on veut consacrer notre vie et toutes nos ressources, nous le faisons pour la gloire de Dieu. Et ce n'est pas pour un homme, ce n'est pas pour une organisation qu'on va voir, mais c'est le but auquel on affecte toutes ces ressources-là qu'il faut voir. On ne peut pas se répéter. Mais ce que vous faites, comme je l'avais dit au départ avec le frère Joël, j'ai dit, je vois que nous sommes dans le même sens d'évolution. Et vos actions ce matin nous encouragent encore à persévérer dans l'œuvre. C'est un encouragement, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Parce que à des moments dans l'œuvre, il y a les moments d'attaque, il y a les moments de tentation. Mais ça, ça nous encourage, ça nous édifie, ça nous exhorte à comprendre que ce que nous faisons, c'est bien. Dieu suscite d'autres personnes dans la même vision. Et donc, ça nous rend davantage stable. Nous pouvons découvrir facilement les personnes qui sont dans les besoins. Mais nous allons davantage approfondir les recherches pour que les montants que vous allez verser soient utilisés dans le plus grand besoin possible. Nous, dans le fonctionnement, nous avons un compte qu'on appelle bienveillance. Dans ce compte, des dons comme ça, on les met. Et puis, lorsque dans les traitements, nous découvrons des patients qui ne sont pas à mesure de payer, alors on paye pour eux en leur disant que ça, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui a passé par ses serviteurs, par ses enfants, pour vous aider. La seule chose, la seule reconnaissance qu'il faut manifester, c'est de consacrer ta vie à ce même Dieu qui a suscité ce don à d'autres pour toi. Et je suis heureux quand je vois ces actions. C'est ce qui a béni les autres nations. Nous ne pouvons pas comprendre pourquoi les Américains, même s'ils ne sont pas chrétiens, ils payent les dîmes. Mais chez nous, je vais dire que la pauvreté nous a tellement frappés qu'on ne pense qu'à soi-même. Mais il faut qu'on ouvre les yeux pour comprendre dans quel sens Dieu nous appelle. Parce que si on gagne par mois, par exemple, 500 000 francs guinéens, il y en a qui ne gagnent pas 200 000 francs. Et qui traversent les mêmes difficultés que nous tous. Donc si on peut jeter coup d'œil sur nos voisins, sur ceux qui sont autour de nous, pour comprendre quels sont les besoins pour lesquels on peut participer, ça serait vraiment bien. Nous ne devons pas regarder le salaire que nous pouvons obtenir aujourd'hui, mais la récompense éternelle est la meilleure.
nous disons merci à tous ceux qui ont consacré une partie de leur temps à cette ONG, à cette fondation. Et nous voulons dire merci spécialement au président fondateur. Et nous prions que Dieu continue de vous soutenir, de soutenir toutes vos œuvres afin qu'elles fructifient et dans le même sens continuer à étendre au plus large possible vos actions d'aide. Nous sommes heureux de vous avoir aujourd'hui dans la même vision que notre organisation. Merci beaucoup et que Dieu bénisse chacun. Alors, ça fait quelque chose à vous. Ils vont traduire. Je vais faire un mot. Quand nous marchons encore, pardon. Tu vas traduire? Ok. Quand nous parlons, moi, je ne comprends pas que nous avons. Bien, là, mon arrangé, non. Mon arrangé, non. Et les deux, non. Et les deux. En fait, que cette maladie qu'elle n'a pas eu ça aujourd'hui, ni demain, que ça fait des années et des années qu'elle a eu cette maladie. Il a vendu. On est qui va là. Bien attendu. Vendu. Ah, maman, quoi, il paye quoi. Fati. Mon cas de Dieu. On est là. Il m'a dit ça. Il y a ta fille. Ah, il me dit qu'il y a un café. On l'a ou l'a d'autre. On est là. Que, à cause de cette maladie, en fait, son mari l'a soutenu jusqu'à ce qu'il a rendu là. On l'a poussé à prendre des médicaments indigènes, que ce soit qu'elle a beaucoup fait, ça n'a pas marché. Que c'est grâce à Dieu aujourd'hui que Dieu l'a mise en contact avec M. Drou Karasso pour l'envoyer à l'hôpital ici, pour lui rendre cette service-là, pour qu'elle puisse se rétablir. Quand tu vois, il est là, il y a tout le temps. Il est là. Mais il est là, comment tu es médico? Il est là, il est là. 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 Qu'on l'a découragé, il y a assez de personnes qui sont déplacées par lui et l'a trouvé à la maison. Il n'est pas qu'elle accepte l'opération. Que mes docteurs Ndir, qui se trouve à Zirikore, le monsieur s'est déplacé, aller le trouver là, de la banane. Elle a essayé de l'expliquer que réellement le monsieur veut beaucoup dépenser de cette opération. Que ça n'a pas été facile. On a dit, ah, l'opération de cette quatre là, ça va causer assez de problèmes. Donc il s'est passé assez de choses pour la décourager pour ne pas qu'elle fasse cette opération. Voilà, encore au cas où il y a eu la mort là, quand il est mort. Où est-il là? Où encore au Polo Roma? Quand on me dit, moi pour y aller, moi faut se voir aller. Faut voir la faut se voir.
Ok. Elle dit avant l'opération, jusqu'à après l'opération, le DG, le directeur passait souvent à la maison pour rendre visite, pour voir réellement si elle allait mieux, pour savoir comment est son état, si elle, elle va mieux. Ok. Quand l'opération s'est effectuée, l'opération s'est passée, qui s'est trouvé que vous n'étiez pas là? J'ai voyagé, donc la dame, la présidente des veuves, l'a appelé, qu'elle a reçu placé pour aller faire cette opération. Elle dit, depuis cette opération s'est passée, qu'elle n'a pas eu de problème, qu'ils se sont bien occupés d'elle. Les produits, à chaque moment, dont elle part, elle prend les produits pour se soigner. Elle remercie beaucoup. Que c'est Dieu qui l'a fait jusqu'à la fin. J'étais là quand on opérait. Mon état s'est retiré. Ok, donc elle dit que c'est Dieu qui a fait. Le lendemain, quand c'est arrivé, que je suis venu. Ok, que c'est Dieu qui a fait jusqu'à vous rentrer en contact. Vous l'avez rendu cette service. Qu'elle vous remercie beaucoup, vraiment. Merci. Docteur Otokar, au camp quand elle n'a pas de mal, il va le passer. Docteur Homme, il guette. Quand elle est pile, Fusima la commande. Si la comédie est là, il y en a eu mauvais. Il y en a eu mauvais. Elle a eu du bec qu'elle a. Fita, c'est qu'elle a pas massive. Et il y a un rame, mais lui, elle dit qu'elle, mon ancienne, ma halle, grand anka, coupé. Diamma, ta maman, ta fou. Qu'elle vous remercie beaucoup, qu'elle a beaucoup souffert, que ça n'a pas été facile pour elle, qu'elle n'arrivait pas à respirer, à manger. Bon, des fois, elle n'aimait pas même expliquer son problème à ses enfants. Il n'est pas qu'elle ait des soucis pour ça. Donc, que quand elle a fini de faire cette opération, elle remercie beaucoup le docteur qui l'a opéré, qui a pris soin d'elle. Parce que j'ai le même docteur qui l'a appris pour l'avoir à la maison. Donc, je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour vous. Elle dit merci, que c'est grâce à vous, vous êtes, qu'elle rentre en contact avec le docteur. Si vous n'étiez pas là, on n'allait pas se soigner. Qu'elle vous remercie beaucoup. Qu'elle veut tout un bonheur dans vos projets, réussite aussi dans tous vos projets. Merci. Merci, Nana. Merci. Donc,
que nous sommes en train d'arriver à la fin, je pense, pour l'autre côté, à comprendre. Il y a juste certaines précisions que je voulais faire. D'accord. Ce montant, cette remise de 1 million, je vais déjà l'enregistrer. Et est-ce que vous avez une orientation spécifique que vous vouliez donner? Non. Ok. Donc, et la promesse aussi que vous avez faite. Alors, tout de suite, oui. Amenez-moi quelques éléments. J'aimerais faire des dons rapidement. Ok. Maintenant, chaque deux semaines, oui. Essayez, il viendra vers vous. Ok. Il va prendre une ordonnance qu'on va régler chaque deux semaines. Ok. Tous les fins de mois, on amènera 1 million pour vous soutenir. Ok. Bon, madame la surveillante. Moi, j'ai 500 000 francs. Oui. Que j'aimerais faire un don. Okay. Si c'est 4 personnes, 3 personnes, oui. Tout de suite en liquidité pour régler leurs problèmes. Okay. Alors, on va donner au personnel, oui. Voilà 300 000. Une année de soutenir sur le corps médical. Voilà, un don de valeur de 300 000 francs. C'est pour nous un geste qu'on apporte pour payer juste la sucrerie. Okay. Pour vivre ensemble. Un grand merci pour cette grande œuvre que vous apportez comme salut dans la vie des gens. Nous ne cesserons de prier pour vous. Ok, madame Gombo, si vous pouvez voir tout de suite à l'hospice, quels sont les besoins qui sont là et les factures qui sont là. On peut les rencontrer les malades en même temps. Oui, on peut les rencontrer. Oui, c'est pour moi. Elle est la surveillante de notre structure. Elle est mieux placée pour. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu penses de la clinique qui vient? Qu'est-ce qu'elle pense de la clinique? Tu comprends le français là? Alors, maintenant qu'on est venu dire merci, on va retourner au bureau. On a des projets pour toi. Oui, parce qu'on doit l'installer. Il faut qu'on l'installe aussi dans un système de promesses. Oui. On en parlera tout à l'heure. Parce qu'on attendait que ça passe quelques mois. Mm-hmm. Qu'elle se remette de toutes ses blessures et tout ça. Parce que c'est la vision de l'ONG. Oui. Il n'y a pas qu'ici. Voilà, il n'y a pas qu'ici. Moi, je prends ensemble. J'ai déjà 60 veuves que j'encadre. Ici, on a fait plus de 20. Nous sommes en train de les mettre ensemble. On va faire le champ de verger, de piment. On fera aussi la riziculture pour détruire définitivement le problème de faim au niveau de la zone forestière. Il n'y a pas de raison que l'Afrique, les Africains soient dans la faim. Quand les gens disent lutter contre la pauvreté, c'est quoi? C'est pas sur le plan intellectuel. Mais il faut être concret. Dieu a donc béni le pays de la Guinée. Vous faites partie de l'épée de l'Équateur. Ça arrive tout pousse ici. Donc, il n'y a pas de raison qu'on vous manque de nourriture. Alors, j'ai discuté avec certaines personnes, ils disent, mais c'est la variété de riz qui fait 6 mois. J'ai dit, c'est parce que vous voulez avoir faim, sinon il y a 3 mois. Et il y a 12 mois. Donc, voilà. Et dans 12 mois, c'est chaque 3 mois, ça fait 4 fois la récolte. Et non, il ne pleut pas assez. Il dit, mais deux, il n'a pas que la pluie là-haut, il est sous la terre là-haut. Ouais. Dieu n'a pas mis la pluie souvent en haut, mais sous la terre. Les blancs, ils font comment? Ils font des trucs de concession, ils arrosent. Oui, oui. C'est une question de volonté. Sinon, si la politique met en place, et comme je vous l'avais dit, vous l'avez souligné dans ce que vous êtes en train de dire, on ne peut pas tout attendre de l'État. Oui. Non, on ne peut pas tout attendre de l'État. Ce n'est pas possible. Voilà. Nous pouvons passer nos idées à l'État. Et ce sera que, justement, c'est cette idée-là que nous voulons communiquer aux nations. C'est pour ça qu'on travaille avec ces femmes. Pour leur communiquer, leur donner cette connaissance-là. Nous dit, parce que nous, je suis fils de Frère Boyer. Chez nous, la Côte d'Ivoire, le slogan, le succès du pays que la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Oui. Donc nous connaissons ce qu'on appelle forêt. Moi, quand je rentre dans la forêt, déjà, je sais ce qu'on appelle la richesse qui sort de la forêt. Voilà. Donc ici, on appelle forestier. Mais qu'est-ce qu'ils ont? C'est pour ça que j'ai créé mon restaurant. J'ai un grand restaurant ici, peut-être que vous ne savez pas. J'ai le plus grand restaurant, le plus meilleur restaurant des Européens depuis le 11 juillet.
Voilà, j'ai fait du placali, j'ai fait du foutu. On aura l'occasion de vous inviter. Oui. Le restaurant Figaro. Le bonheur, c'est mon restaurant que j'ai mis en place. Moi, je suis un homme d'affaires. Tout, on le trouve ici. Ils sont venus une fois, me dire, on veut manger des charmants. Il dit, je ne suis pas l'imam. Je veux voir le charmant ici. Pourquoi vous voulez qu'on. Moi, je ne suis pas libanais, je vais la nourriture libanais. Le garzé et le bété, ils ne mangent que la même chose. On met la banane, on met le manioc, tout ça. Alors, donc, ici, on a pu installer un restaurant, on a donné de l'emploi aux jeunes, et nous sommes en train de mettre bientôt l'usine d'Akéké en place. Ok, merci beaucoup. Merci, docteur. Ok. Alors, monsieur Shalom, oui. Il y a, par exemple, ce patient Saint-Mété-Sylvain. D'accord. C'est quelqu'un qui a eu une fracture par accident de circulation. D'accord. Et il est là il y a plus de 2 mois. Ok. Il a dépensé énormément. D'accord. Et il y a une facture dont le reste est encore un peu élevé jusqu'à 3 millions et quelques. Mais ce n'est pas forcément ce que vous devez faire. C'est juste pour dire que c'est quelqu'un qui a déjà payé suffisamment d'argent. Et il est un peu au bout. Ouais. Il y a aussi un certain fasciopolier. Ah, ça c'est le ah oui. Donc, nous voulions ce montant que vous avez prévu. Nous voulions, si c'est possible, qu'on partage entre ces trois. Non, donnez-nous la facture. Et demain, le pasteur oui. va envoyer 1 million pour l'aider. Ok. Celui de 3 millions, on va l'aider demain. Je vais envoyer 1 million pour l'aider. Ok. Mais on va l'aider. Mais les 500 000 là, oui. il faut qu'on partage en trois. Ok. Donc il y a 3 personnes ici. Il y a Sidibé Ousmane. Alors je vous informe déjà que moi, mes contributions sur mes comptes sont dîmes. Donc voilà. Donc j'ai décidé de payer mes dîmes ici. Ok. Ben, je ne dirai pas le montant, mais vous saurez ça après. Merci. Donc c'est un peu ça. Ok. J'ai trouvé l'endroit, je pense qu'ici est bien. Merci beaucoup. Merci vraiment. C'est un soulagement vraiment. Alors, le directeur va vous envoyer l'argent demain. Okay. Voilà, il va envoyer l'argent de ce montant-là demain. Okay. On va l'aider en donnant déjà 1 million pour le soulager. Non, ça on va vite maintenant, tu peux envoyer l'argent. Même l'après-midi, parce que demain on est pris. Ok. Pour pas qu'on soit faux déjà dans les promesses. Tout à l'heure dans l'après-midi, va envoyer. Ok. Voilà, je vais envoyer ça tout à l'heure. Non, ici, je vais envoyer. Dès qu'on quitte ici, on va à la banque. Ok. Il va apporter. Ok, donc lui, on va attendre, il aura la promesse de 1 million. Et puis. Est-ce qu'il y a une autre personne? Parce qu'il n'y a pas de 500 000 qu'on va vraiment donner à 3 personnes. Ok. Mais on peut rentrer en contact avec eux? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ok. Comme ça, on va aller. Oui. Il faut qu'on vous invite à venir. Là, gros. La grande boue. Ah,
Souffert physiquement et économiquement, c'est cuisant ce qu'il traverse. Il a fait 6 mois ici. Ah, 6 mois? Ouais. 6 mois, c'est plusieurs mois. Ok. Donc, vous avez une facture de. Voilà, vous pouvez me présenter déjà? Oui. Ta facture qui reste, c'est 3 172 500. Et il a promis, il va payer 1 million pour toi. Tout à l'heure. Tout à l'heure, l'argent va venir. Tout à l'heure, ça va venir. Je suis responsable d'une ONG, Espoir de vie, de la fondation. Et lui, le directeur qui m'a dit. Cette ONG, c'est elle qui a pris en charge la banque pour son opération. De la voilà. Donc, elle a été opérée. Donc, pour nous, il y a de quoi vous soutenir. Donc on a décidé de faire des dons maintenant aux malades. Donc le directeur va envoyer l'argent tout à l'heure pour lui demander de vous soutenir. Merci. Prions tous pour la clinique. Merci. Merci. L'hôpital fait une grande œuvre. Il y a de quoi soutenir. Merci. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, monsieur. Merci. 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 Que Dieu vous bénisse. Merci. 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 Bonjour monsieur. Oui, ça va, merci. Alors, je veux, il y avait une fillette là-bas, là, c'est qui? Cette fillette, vous allez voir. Vous demandez de vous dire, Aïe, des coups de l'eau, n'y mon de l'eau. En les sacs à 14 car le four. Elle a demandé mes travaux, car elle n'y a pas de l'eau. Oui, elle a la doua ou l'aider. Car on n'est pas de voir qu'il n'y ait. Il prend qu'à coup de malandou. Car l'on peut aller les dambades. Animé Mayaka aligné. Vraiment aligné. Voilà. Celle on viendra de temps en temps. On va dire. Si on a un bout de temps, le directeur viendra pour la fiche. Donc, à la cancro, c'est le Nindé. Nindé, c'est Nizé le Coréen. Allez, c'est Nité la Guinée. Donc, Niké ton Allah est Kafourikin. Vraiment. Parce qu'on va faire que Nindé. Niké Mounio et Troyado. Il est Fanaya Longo, Troyado. La situation de la petite, déjà, ça m'intéresse. Pour voir ce que l'ange déjà peut faire déjà pour la petite là. Elle fréquente, elle va à l'école. Elle travaille école là, hein. Elle travaille école là. Elle m'a bien école là. Pourquoi madame? Mouna. Moi, c'est le cas. Après, c'est des agriculteurs. Aïe, bonne humaine, c'est où n'y ma j'en ai pas fait là, hein. Ils sont très loin de Corée, à plus de 600 km. Waouh! Oui. Je connais ce village. Wow. C'est très loin, c'est vers Cancan ou bien? Oui, c'est très proche de Sigri, et de Mali. Et c'est des Maliens? C'est des... Non, c'est des Guinéens. C'est des Maliens. Oui, selon, oui. Nous, on veut qu'elle parte à l'école.
à travers une école. La décision. La on va l'aider. D'accord. Allez, de Meninke. On va t'aider. Parce que pour pas qu'elle n'ait pas légal à l'école, elle a un pied amputé. Ça fait gérer toute sa vie. Voilà. Je le dis officiellement, et moi j'aime cette parole. Quand je dis je fais, je fais. On va prendre la fille en charge. Voilà. On va adresser un courrier spécial et puis on va voir comment suivre. Nous on ne joue pas avec les enfants. L'enfant et elle, c'est pour vous. Ok. Dieu va nous aider. Comment ça va de manière? Dieu va nous aider. Mais elle, il ne faut pas qu'elle soit détruite. On la sauve. Dieu passe par des gens. Non, on va l'aider. Il faut dire que Dieu a écouté sa prière. Comment ça va par elle m'a dit quand la main. T'as compris? On va l'aider. Ça a dit on fait ça. Ça a dit on se prosterne. C'est Dieu qui. Nous je suis rien. L'argent on va laisser ici pour mourir. Si tout le monde pouvait comprendre ça, on ne peut pas aller tuer l'homme à cause de l'argent. L'argent, on va laisser. C'est ce qu'on fait sur la terre qui nous accompagne. Alors, l'homme qu'on voit est créé à l'image de Dieu. Si tu fais du mal à un être humain, c'est que tu ne respectes même pas Dieu. Nous aimons le Seigneur. Nous voulons contribuer à l'œuvre de Dieu sur cette terre. En aidant les gens qui lui-même l'a créé à son image pour le représenter. Donc c'est ce travail que nous faisons en tant qu'ONG Espoir de Dieu. Donc nous on ne pense pas que c'est un hasard que nous soyons là. Nous, on ne voit pas ça comme ça. C'est Dieu qui donne les moyens. Il y a un secret. Quand tu donnes, Dieu te bénit. C'est tout. Moi, j'ai compris une seule chose. Je suis en mission sur cette terre. Je dois remplir ma mission en faisant du bien. Sans tenir compte de la religion de la personne, sans tenir compte de son ethnie, sans tenir compte de sa nationalité, la personne est être humain, il faut l'aider. Ce qu'on a dit, on va le faire. Donc, on viendra vous voir. Voilà. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas des paroles en l'air. Ne pensez pas qu'on entend de vous dire des choses comme ça. Non, on va vous aider. Voilà. Ça va? Tu vas aller à l'école, hein? Tu vas réussir dans la vie. Vous pouvez me traduire ça? Il faut lui dire qu'on nous l'aimons. Qu'on l'aime, c'est parce que tu as fait. Allez, fais, allez, viens là, vous mariez. Non. C'est ça. Hein? Ah. Et bien, Yanné. C'est le même. Nous t'aimons beaucoup. Et bien, Yanné, bah, Yanné. On va t'aider. Andaï demain, hein? T'as compris? Il faut pas mettre ça dans ta tête. Nous serons là pour t'aider, tu as compris?
Andike yanki deme. Seigneur, merci pour ta grâce et sa vie. Nous te prions que ta main se manifeste pour qu'il assiste. Amen. Madame, on viendra la semaine prochaine. Hein? Koloku nato anato, hein? On a décidé ce matin, on a reposé, on a pris. On a décidé ce matin de remettre au moins 500 000. Voilà, donc on va partager ça. Donc, un amené un bloc mongolais. Ok. Nous avons un cas de cas. Le cas pour gagner un euro. Donc, pour le dire, c'est comme un ONG espoir de bien. Alors, nous avons un peu de la Guinée, nous avons un représentant de la Guinée. Nous avons un peu de la Guinée, nous avons un peu de la Guinée. Donc, nous avons un peu de la Guinée. Mais il y a trop de gens qui ont été en train de se faire. Comme au repas, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Pour les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. 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 Donc, il faut que le groupe. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Donc, Donc, on va demander le nom de Mais il y a la Guinée, quand des coups dans les lacs Ambra, où il y a des de Mille Jantula, Royal Molk. Donc, allez, Kako, à l'animayado. Pour ni Masubaka, Dubaï, à l'Efanandi, Molu, mais Troyado, à l'Ouden. Donc, à l'année, son nom, Kafoulike, Kali, Jankatoli, à Miltroni, il est en Yamema. Il te voit la baraka, ici, il te voit la pour Moli, il demain. Donc, à l'année, Kamasabala Duba, Kaudo, Irakela, de Menife. Donc, à l'Yémen de l'Aïma, où tu fin de dimensra. Mais quand on commence à aller de terminer où il fait carquigné. Voilà. Donc, vous voulez très carrément. Donc, on est moi qui m'a le très bon, car la taille d'un carton, ça va être. Donc, il tape en épitoïne. Ça m'a sabayé demain. Il y a un on le marque de la table 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 de la
Donc, il est aussi très reconnaissant. Il est en train de bénir pour l'avancement de l'ONG et pour la réussite de tout ce qui est en train d'être entrepris. Ok, merci beaucoup. Oui. Tu l'as donné son? Oui. Bien, tout est bien. Bien, hein? Yes, une personne. C'est tout. Pourquoi sortir quand même de cette salle-là? Parce qu'on a tout donné ici. Il y a maintenant, il y a une dernière personne. Non, ça c'est une tasse à vie tout à l'heure. Dans les autres salles, c'est comment? Ah, j'ai appris de voir là-bas. Oui, non, mais c'est soutenu. À l'hôpital central, on dit de couper mon pied. Mais ici, à Isaou, j'ai eu la santé. Et je remercie le bon Dieu. Aujourd'hui, on est dit d'aller à la maison. Ah, là. Tu es content. Vraiment. Pour servir Dieu. Il va en santé. Il faut le servir Dieu, hein. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. L'Éternel est son amour. Wow. Alors, l'ONG Espoir de Vie, sur mon canal. Je te donne 160 000. Ah, merci. Ça coïncide avec ton départ. Ah, merci. Merci, merci vraiment. Ah, oh Dieu. Alors, j'ai prié pour toi. Seigneur, merci pour ta grâce et sa vie. Merci pour l'avoir sauvé, ce frère. Merci pour la joie qui inonde son cœur. Merci de l'aider à expérimenter le salut. C'est dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Allez, prends rétablissement. Merci. Il faut servir Dieu. Merci. Ok. Merci, s'il vous plaît. Ah, monsieur Joël Casso. Monsieur Joël Casso. Oui. Merci beaucoup. On est ensemble. Oui. Merci. Mon garde malade. Hein? Mon garde malade. Ah, ton garde malade, c'est fini là. Sa mission est terminée. Oui. Okay.
Dieu vous garde. Ah, merci beaucoup. Alors, nous on va vous dire au revoir. Comme on doit ramener. Oui. On avait dit juste pour qu'il ramène. Qu'est-ce qu'on a promis. Vraiment merci. On est à ça. On revient, on devrait revenir à lui. La situation de la petite nous intéresse. Elle a besoin de nous. Pour qu'elle parte à l'état, sinon ça ne va pas son handicap, ça sera le dernier de la société. Oui. Il faut la sauver maintenant. Oui. Merci, maman. Amen. Merci pour ce merveilleux miracle. Je lui ai dit, je vais trouver un fiancé. Kakak, 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 k
Je vais vous montrer.